Bonsoir et bienvenue dans Shems Fellowship qui a choisi de vous présenter ce soir quelques extraits de la séance coaching d'Ivoire de Rosen. Il s'agit du Boss Lady Coaching qui se tient ici même à l'hôtel Arwefa. Et comme vous pouvez le constater, un nombre impressionnant de ces femmes battantes ont effectivement répondu au rendez-vous. Allons découvrir ensemble ce que magouillent ces femmes qui sont aussi nos mères. On passe au groupe suivant. Qui se nomme? Et là, ce seuil de travail qu'il faut vraiment mettre en place. Et du coup, il y a pas mal d'entrepreneuriat. Mais il y a aussi certaines contraintes. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Johnson, mon dossier. Je suis connue quand même comme étant mannequin. Je suis étudiante en communication marketing. Alors je pense qu'il est très important déjà, premièrement en tant que femme, de savoir à qui on peut se tourner pour poser des questions et avoir éventuellement des réponses. Et ensuite, en tant que femme africaine, d'une société totalement différente de l'occidentale, savoir quand même que malgré les préjugés, on peut entreprendre, on peut se lancer, et puis donc savoir combattre les préjugés de la société et laisser place à des objectifs, des rêves, et se lancer en fait. Alors, Ivoire, je trouve que c'est une personne resplendissante dans le sens où elle émane beaucoup d'ondes positives et on se sent tellement en confiance que quand j'ai vu son affiche, je me suis dit que c'était quelque chose que je ne devais pas louper parce que là, je ne suis même pas déçue, elle a une éloquence vraiment que j'admire et une sympathie qui fait qu'on est dans une masterclass, mais certes, on a l'impression d'être dans un salon de thé ou de partager un repas convivial. Et j'en suis passionnée, accueillir, régler le problème de mes clients. En fait, c'est la deuxième édition, du moins, et j'ai participé à la première. Par contre, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc, dès que Ivoire m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle faisait une seconde session, je me suis empressée de venir et j'avoue que ça se passe très bien. C'est vrai que je suis dans le domaine bancaire depuis une vingtaine d'années, mais mon ambition n'est pas de finir dans ce secteur et d'avoir ma propre structure. Et donc je réfléchis tous les jours à ce que je peux faire de nouveau, ce que je peux faire pour aider la population, surtout les jeunes. Donc j'ai tellement d'idées dans ma tête que je me dis en venant suivre des formations pareilles, je pourrais être édifiée et être fixée. Sincèrement, il y en avait beaucoup. J'aurais du mal tout de suite à dire que j'en ai retenu une ou deux, mais il y avait quand même la rigueur, la confiance en soi et l'audace. C'est l'une des clés qui est assez importante pour avoir son entreprise à mon sens. Déjà, Ivoire, je l'avais connue à travers le statut d'une amie. Donc, sans la connaître, je suis venue parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Mais j'ai aimé sa force de caractère. Déjà, quand elle parle, c'est avec des mots très simples, mais il y a de la rigueur, de la force là-dedans. Et la voir aussi jeune et coachée du monde, pour moi, c'est une qualité qu'il faudrait que moi aussi je puisse avoir. Pas totalement la même chose, mais que je puisse apprendre beaucoup d'elle. Voilà. À
Alors je suis vraiment très très ravie d'être ici aujourd'hui parce que je vois énormément, je pense qu'à 99,9% il n'y a que des femmes, à part les caméramans qui sont des hommes. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ici dans notre petit pays, le Togo, nous avons des femmes vraiment qui se permettent de rêver. Et qui se permettent de rêver en grand et surtout de matérialiser ce rêve-là. Alors comme on le voit aujourd'hui avec Ivoire de Rosen, elle nous apporte vraiment les porte-clés nécessaires pour vraiment concrétiser donc ses rêves en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir de voir que pour la deuxième session, il y a énormément de femmes togolaises qui sont présentes. Voilà. Je pense que moi j'ai beaucoup noté, j'adore noter parce que c'est en écrivant, après on se rappelle de beaucoup de choses. Je crois que tout ce qu'en tout cas elle nous a apporté aujourd'hui, c'est le début de quelque chose d'extraordinaire parce que elle nous donne les clés pour vraiment cette grande aventure qui est donc la concrétisation de nos affaires tout simplement. Quand on a la chance donc d'avoir des personnes comme ça qui font le tour du monde, qui sont en contact avec des gens extraordinaires, quand on a la chance d'accueillir dans notre si petit pays des trésors comme ça, vraiment je pense qu'elles devraient venir massivement pour vraiment apprendre. Parce que j'ai la conviction que quand on sort de ce genre de conférence, sincèrement, on est différente. Voilà, on est différente que quand on est rentré et on apprend beaucoup et on a surtout beaucoup de choses très très précieuses pour mieux réussir. Alors chez Ivoire, j'ai aimé du coup parce qu'elle vient donc de la Belgique. Et donc j'ai aimé cette différence d'esprit qu'il peut y avoir et qu'elle a pu apporter ici et qu'elle essaye de te faire partager. On a beaucoup de choses à vouloir partager, donc du coup ça va me permettre aussi d'essayer d'approfondir par rapport à tout ce qui a été dit et de se lancer un peu plus. Il y a de l'avenir justement dans ça, il y a de l'avenir et qu'il faut justement approfondir un peu plus. Il y a eu plein de petites choses qui ont été citées et que je pense que je vais pouvoir reprendre à la maison et approfondir pour savoir justement quel est mon wow point, comme on a dit tout à l'heure. Il me semble qu'il y a une autre édition qui sera prévue ici à Lomé. Ça ne sera sûrement pas à l'hôtel AWEFA malheureusement. Mais je pense que justement d'aller sur les réseaux sociaux, de s'imprégner, de voir ce qui s'est passé. Moi j'avais justement vu la première édition et donc ça m'avait vraiment plu. Et je pense que justement si on est intéressé, c'est l'occasion justement de suivre ces personnes-là qui nous donnent des informations, qui nous coachent. Et ça nous permettra justement de savoir si on est intéressé ou si on peut continuer justement. Pour cette première partie de séance, je dirais plutôt que c'est assez satisfaisant. J'ai été très honorée de venir à cette conférence d'Ibos. Je pense que la jeunesse togolaise a vraiment besoin de ce genre de conférences afin qu'on puisse stimuler cette créativité que nous avons en nous et aussi développer un réseau, car je pense que le réseau c'est très primordial. Pour les futurs entrepreneurs. Je voulais vraiment profiter de cette occasion pour me créer un réseau, car oui, je suis togolaise, mais je fais partie de la diaspora togolaise, donc je ne vis pas forcément au Togo, et je me suis dit que cette conférence était une bonne opportunité de créer du réseau, de connaître de nouvelles personnes, et pourquoi pas de commencer des projets très innovatrices. Pour moi, l'une des clés les plus importantes sont l'audacité. C'est-à-dire qu'il faut être très audacieuse. En tant qu'entrepreneur, je peux dire aujourd'hui que j'ai commencé à partir de rien. Mais ce qui m'a aidé, c'est vraiment mon réseau. Le fait d'aller vers les gens, d'avoir cette facilité de parler à l'autre et de vraiment sortir de sa zone de confort. Ce que j'aime chez elle, c'est son sourire. Parce que moi aussi, j'adore sourire. J'aime trop sourire. C'est-à-dire, dès qu'on la voit, on voit cette vivacité, cette tenacité, tu as forcément envie d'aller vers elle. Voilà, moi je suis Fawzia Brim, je suis directrice de la Société internationale de distribution. Nous sommes spécialisés dans la distribution et l'application de matériaux de construction et nous sommes situés à Tourcoing-Rancourt. Et lors de cet événement, en fait, j'étais la collaboratrice de Madame Ivoire. Donc, je me suis occupée de tout ce qui était inscription, enregistrement, des boss ladies, en fait. Voilà.
c'est une personne extraordinaire, formidable, qui depuis l'université nous inspirait déjà. Et ensuite, il y a eu l'opportunité qu'elle vienne à Lomé et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a des compétences que la jeunesse togolaise aussi a besoin et la jeunesse togolaise peut profiter de ces compétences-là, de tout ce qu'elle a à offrir en termes de coaching, en termes d'accompagnement, etc. Et donc rapidement, on a réfléchi, on a trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir apporter ce petit plus à la jeunesse togolaise. Elle lâche rien, elle va jusqu'au bout et surtout Ivoire est très perfectionniste. Et je me rappelle quand on était étudiants, on faisait nos travaux, elle travaillait jusqu'à la dernière minute à recorriger les virgules, les points-virgules dans nos travaux. Et c'est vraiment une qualité qu'elle a qui m'a toujours inspirée et qui m'a aussi poussée à aller vers le perfectionnisme dans les projets que je fais, vraiment avoir de la rigueur dans ce que je fais et aller en profondeur et ne pas rester de manière superficielle, ne pas travailler de manière superficielle, mais vraiment d'aller en profondeur en fait. Et donc ça pour moi, aujourd'hui, en termes de compétences et de savoir-être ou savoir-faire, dans mon travail aujourd'hui en tant que dirigeante de société, c'est vraiment une compétence clé en fait qui me pousse aussi à aller de l'avant dans la gestion de ma société. Moi, c'est vraiment la résilience parce que entreprendre, c'est pas du tout un chemin facile. Il faut être prêt à grimper des montagnes, il faut être prêt à faire des sacrifices, il faut être prêt à travailler beaucoup plus que les autres et il faut être prêt aussi toujours à rebondir de ses échecs, de ses erreurs parce qu'en fait finalement c'est ça qui nous fait vraiment avancer, c'est ça qui nous fait apprendre, c'est ça qui nous fait, qui fait qu'on dépasse nos limites. Et pour moi en fait la résilience c'est une notion clé pour être boss lady et vraiment arriver à atteindre ses objectifs. En fait, une autre vision de l'entrepreneuriat, en fait. Donc, ça m'a ouvert déjà l'esprit sur beaucoup de choses et sur beaucoup de projets que j'envisageais, mais je n'avais pas forcément la motivation, en fait. Bon, déjà, l'invitation qu'on nous a envoyée sur WhatsApp, j'ai regardé les détails d'abord, le fait comment entreprendre à partir de rien. C'est des trucs qui m'ont attiré, en fait. Parce que moi, quand même, j'aime l'entrepreneuriat. Je ne vais pas travailler à vie pour un employé. Tout le monde aimerait travailler pour soi-même, déjà un. Donc c'est ça qui m'a attirée. Et je me suis dit que je vais m'enrichir, je vais enrichir mes connaissances. C'est pourquoi je suis venue ici pour écouter son speech, en fait. Pourquoi les femmes vont abandonner? Toute femme est là pour se battre. Donc j'encourage toutes les femmes à venir s'enrichir, se former pour entreprendre un jour quelque chose. Je n'ai pas de mots, tout simplement. Je suis juste ébahie parce qu'à chaque fois, Ivoire de Rosen, c'est une femme incroyable. Sincèrement, elle a une vibration. Voilà, c'est vraiment ça. Une positive attitude incroyable, une vibration. Et cette générosité, justement, de partager et de donner, mais vraiment entièrement, tout ce qu'elle a de meilleur afin que l'autre aussi réussisse. Et aujourd'hui, je vous assure que ce sont des qualités qu'on ne voit pas partout. Elle peut passer 3, 4, 5, 6, on lui donne 2 heures, elle peut en faire 5, juste pour que vraiment elle soit sûre que tout ce qu'elle dit soit bien compris et que ça nous aide à devenir meilleurs. Et pour toutes celles qui n'ont pas pu venir, mesdames, je m'adresse directement à vous en vous disant, vous avez raté gros aujourd'hui. Mais comme on dit dans la vie, il y aura encore d'autres conférences. Et sincèrement, si elles entendent ce nom, Ivoire de Rosen et son équipe, elles peuvent les yeux fermés. Mais alors là, je dis les yeux fermés. Et ce n'est pas une question de coût, parce que même ce qu'on paye
puis est-ce qu'on reçoit, il n'y a pas photo comme on dit ici chez nous, donc dès qu'elles entendent que Rosen, Ivoire de Rosen est là, sincèrement les yeux fermés, qu'elles disent à leurs amis, de dire à leurs amis, de dire à leurs amis de tous venir. Bonsoir Ivoire. Bonsoir. C'est impressionnant ce nombre de femmes battantes qui sont venues aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous attendez vraiment à ce monde-là? Bon, pour dire la vérité, non. En fait, normalement, on est plus restreint au niveau du nombre, mais la demande était tellement grande qu'on a essayé d'un peu s'organiser pour accueillir un peu plus de monde que prévu. Malheureusement, on a dû refuser pas mal de personnes aussi, mais comme on l'avait expliqué, comme c'est un format intimate, on ne peut pas être plus nombreuses. Déjà là, on était sur la limite parce que sinon, on ne peut pas travailler sur le projet, sur les business des participantes et aussi sur les challenges spécifiques auxquels elles sont confrontées. Et puis, on travaille dans une démarche très interactive, donc elles peuvent aussi poser beaucoup de questions et donc voilà, on est obligé de rester sur ce format-là. Alors le public était absolument fantastique. Il y avait des femmes de toutes générations dans des secteurs très diversifiés, vraiment que ce soit des personnes qui se lancent plutôt dans un secteur on va dire qui a trait à la finance, d'autres au design, d'autres aux médias. C'était des profils très, très, très diversifiés et c'est ça qui a créé aussi une richesse. Et le fait qu'il y avait vraiment un partage d'idées, d'expériences très enrichissant. Et puis, on a vu qu'elles étaient très enthousiastes, très motivées, vraiment dans une démarche avec cette envie d'apprendre, d'aller plus loin, de passer à un cap différent. Et du coup, cette énergie, ce dynamisme était vraiment, vraiment présent ce soir. Enfin, toute cette journée, en fait, parce qu'on a passé finalement toute l'après-midi ici, tout ensemble. Les participantes étaient ravies, elles étaient contentes, elles nous ont demandé encore. Beaucoup veulent poursuivre l'aventure en cabinet, c'est-à-dire en coaching privé, que je les accompagne spécifiquement. Donc, ça fait plaisir. Et puis, de voir qu'elles ressortent enrichies avec des clés, des outils qu'elles vont pouvoir directement appliquer dans leur projet, dans leur business, dans leur vie, l'organisation de tout ça. Donc, moi, ça me fait plaisir parce qu'elles sont reparties avec leurs attentes qui ont été satisfaites en fait. Et moi, c'est ça mon but, c'est qu'elles repartent avec de la satisfaction et cette envie de continuer, d'aller encore plus loin. Si moi, je peux inspirer par rapport à mon parcours, par rapport à ma trajectoire et donner envie à d'autres femmes d'être inspirantes, de se trouver, d'être épanouies dans ce qu'elles font, c'est ça mon objectif. Alors qu'elles me ressemblent, non, parce que je pense que chacune a sa spécificité et chacune est unique et a sa touche à apporter. Donc, me ressembler, non. Mais en tout cas, je dirais, si j'arrive à leur transmettre cette envie de s'investir, de s'impliquer, d'entreprendre, eh bien, j'ai tout gagné et ça me flatte, honnêtement. Vous avez une élégance vraiment extraordinaire, vos messages sont vraiment fluides. Comment vous arrivez? Quel est votre secret? Alors, pour connaître mon secret, il faut venir en coaching privé, en public speaking. Enfin, je donne aussi des coachings collectifs. Je pense que mon secret, c'est l'habitude, la force de l'expérience, c'est aussi le travail. C'est vrai que dans mon métier, je parle tout le temps, que ce soit en intervention au milieu académique universitaire ou dans la modération de panel, d'interview. Dans tout ce que je fais, je parle. Donc, bien sûr, il y a l'habitude qui est là. Après, je pense que dans ma trajectoire, si on prend plus loin au niveau de mon enfance et mon adolescence, notre mère nous a inscrites à beaucoup d'activités qui nous ont permis aussi de développer cette aisance et cette éloquence. Et donc, c'est vrai que c'est un avantage par rapport à la suite, oui. Donc, beaucoup ont envie de venir à la prochaine édition. Moi, j'ai envie de leur dire qu'elles viennent, qu'on partage, qu'on vienne s'encourager, se motiver, se booster, qu'on puisse s'entraider aussi à aller de l'avant et à se sentir épanoui et à s'affirmer d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, puisque les deux sont interreliés. Et je me réjouis à l'idée de les rencontrer, de les retrouver, que ce soit sur les formats collectifs, coaching ou masterclass, mais aussi en coaching privé. C'est toujours un bonheur de rencontrer ces femmes. Et puis ici, les femmes sont vraiment entreprenantes, elles sont pleines d'énergie, d'audace, elles ont envie d'apprendre. Et du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir travailler avec elles, de les accompagner, parce que ça me fait
fait plaisir de pouvoir voir à quel challenge, à quelle réalité professionnelle elles sont confrontées. Alors, qu'elles continuent à s'accrocher à ce qui les anime, à ce pourquoi elles ont envie de se réveiller le matin, qu'elles ne se découragent pas, qu'elles se disent qu'avec de l'accompagnement, avec des bons conseils, que ce soit de la famille, hein, les amis ou des professionnels comme moi, eh bien, on peut arriver à de très belles choses, à de réalisations multiples, et qu'il faut, rester positive, il faut rester dans cette envie d'aller de l'avant, de se dire que tous les possibles sont ouvert, qu'il ne faut pas se décourager et qu'on a en soi pas mal de potentiel, chaque personne a du potentiel et du coup il faut chercher à le développer et puis partager aussi ses talents, ce pourquoi on se sent utile dans la vie. Et je pense que le monde, le Togo et l'Afrique de manière générale a besoin de femmes battantes, de femmes qui entreprennent, ces femmes qui sont les boss ladies et qui changent les règles du jeu, qui font réellement bouger les lignes. Donc le monde les attend et on a besoin d'elles, elles sont formidables, et qu'on continue ensemble à s'entraider et à s'encourager, puisque c'est comme ça qu'on va créer un monde impactant et créer un monde plus juste aussi et plus égalitaire. C'était un plaisir d'avoir toutes vos équipes, voilà, de par vos professionnalismes, votre dynamisme. Et donc, Shems Telloship, c'est vraiment le réseau des blogueurs à suivre. Et c'est une plateforme qui s'étend partout au niveau international. Et je pense que ça vaut vraiment la peine aussi de suivre leur travail et de s'investir et de s'engager avec elles et eux. Voilà. Merci et bonne soirée. À très bientôt. On reste connectés. Bye bye. Bye bye.